Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo donc pour pouvoir vous présenter un tout nouveau glitch pour aller dans un bug de l'Eclipse Tower en online. Donc oui, c'est pas pour rentrer dans l'Eclipse Tower, hein. Bien sûr ça servirait à strictement rien si c'était pour ça. Donc oui, c'est vraiment un bug. Donc on va commencer. Donc je remercie aussi Warhammer d'avoir participé à cette vidéo. Donc il va falloir laisser les paramètres comme ils sont. Donc là, et jouer. Dès que vous arrivez à la section du personnage, je vais directement quitter. Et je tiens à préciser aussi que l'activité est que pour Xbox One et non pour PS4. Donc je sais pas si vous pouvez l'avoir pour Xbox 360, donc regardez. Donc normalement par contre c'est que pour Xbox One, je suppose. Donc pour PS4 je suis désolé, mais voilà, il y a... Après si vous pouvez faire le wall breach avec... Bah, c'est juste avec un affrontement où vous mettez en vue première personne. Et puis vous pouvez rentrer dedans normalement. C'est vers le haut de l'immeuble. Donc là, essayez de faire ça pour ceux qui voudraient aller faire le bug. Et donc là, et après, vous allez voir que vous allez spawner dans un wall breach assez what the fuck. Et là, vous allez pouvoir tuer des gens. Donc je vais vous montrer là où vous pouvez tuer des gens. Donc c'est juste là. Donc dans ce petit coin. Donc oui, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc pour être invincible. Et donc là, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.